Un sauté peut être préparé avec un assortiment de légumes, de viande et de sauce. Afin de couper la viande finement, placez-la d'abord au congélateur pendant une demi-heure pour la raffermir. Chauffez votre poêlon à feu vif. Cuire la viande et les légumes à feu doux n'est pas conseillé, car les ingrédients mijoteront, ce qu'il faut éviter quand on prépare un sauté. Remuez le poulet le moins possible afin de ne pas refroidir la poêle. Aujourd'hui, nous utiliserons des légumes de saison. Coupez d'abord les légumes durs, le céleri rave et la courge musquée. Comme ils mettent plus de temps à cuire, nous devons les combiner au poulet avant les autres légumes. Laissez-les cuire pendant environ 3 minutes. Entre-temps, coupez les légumes tendres, le poivron rouge, le chou frisé et les épis de maïs miniature. Ajoutez maintenant les légumes tendres. Continuez à faire sauter le tout pendant 1 à 2 minutes. Enfin, ajoutez l'ingrédient clé qui donnera à votre plat une saveur exceptionnelle. La sauce pour sauter teriyaki au miel, Blue Dragon. Avant de servir, garnissez le plat de graines de sésame, de julienne de carottes et d'oignons verts. Un sauté facile, lazy aisément. Pour découvrir d'autres idées recettes de Blue Dragon, cliquez ici ou ici.